sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'éternel. Yo, olingi ngai mingi. Yo, kufela kinga. Merci Seigneur Jésus. Yo, talisi. Oh Père, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Alléluia. Voici encore, ô Dieu de gloire, dans ta présence. Sans venir répondre à tes rendez-vous. Toi, tu nous as précédés, Père éternel. Où tu nous as précédés, où tu nous attendais dans ta présence, Père éternel. Moi et mes bien-aimés, nous te disons merci pour ces vendredis 24 juillet 2020. Pour ces guildes d'intercession, les guildes d'intercession de ce vendredi, Père, nous sommes venus te dire merci. Nous sommes là, ô Dieu de gloire, chercher ta face, car la Bible dit que tu écoutes les prières et les peuples viendront à toi. Et Dieu qui exauce nos prières. Et Dieu qui est disposé, disponible pour nous recevoir et nous écouter. C'est toi, ô Dieu de gloire, que nous sommes venus chercher cette fois. Bien-aimés, nous sommes dans notre guilde de vendredi 24. Notre guilde de ce soir qui est un guilde d'intercession. Et nous te souhaitons le bienvenu. Là où tu es, tu peux chanter avec nous. Tu peux disposer ton cœur parce qu'on va passer un bon moment dans la prière. Partage, partage ces moments, clique sur j'aime et partage avec les autres, tes amis, tes proches, les membres de la communauté chrétienne Souffle de Vie. Partage ces moments avec les autres. Nous voulons être nombreux en train de chercher la face de Dieu ce soir. Intercéder pour notre programme. Dieu nous appelle à répondre à un mandat suprême. Aller faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons prier pour notre cœur. Nous voulons prier pour des âmes perdues. Nous venons ici pour prier pour des âmes qui tombent dans l'apostasie, dans l'abandon de foi. Alors viens, viens prier avec nous. Exprimons notre amour à celui là qui nous a aimés le premier. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Créateur du ciel et de la terre. Nous n'avons que toi, le Créateur des cieux et de la terre. Nous n'avons que toi, le Sauveur de l'humanité, celui qui a donné sa vie. Ce n'est que toi, Seigneur. Et c'est toi que nous venons louer et adorer ce soir. Bien-aimé, tu seras en train d'écrire quelques paroles de reconnaissance pour moi. Participe à ces guildes. Participe en réagissant. Participe en partageant. Participe en écrivant quelques paroles de reconnaissance à celui qui t'a invité ce soir. Tu n'es pas là par hasard. Kakayo, kakayo, kakayo.
vivant, Jésus est. Il est vivant. Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Oh, 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 les tout-puissants, c'est Jésus est. Les tout-puissants. Assis sur son trône éternel, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Oh, les dieux que j'adore. Tout-puissant, tout-puissant, il est ressuscité parmi les morts, c'est Jésus, tout-puissant. Voilà pourquoi je l'adore avec conviction. Il règne à jamais mon rocher, Jésus. Les dieux que j'adore n'est plus dans les tombeaux. Ressuscité d'entre le mort. Et oh, voilà pourquoi je le chante. Alléluia. Je le chante de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu que j'adore. Avec conviction, alléluia. Et c'est la venue du plus profond de mon cœur. Amen, 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 amen. Alléluia. Il est assis à la droite du Père, alléluia. Intercédant pour ma faveur. Jésus règne à jamais mon rocher. Alléluia. Dieu que j'adore n'est plus dans les tombeaux. Il est déjà ressuscité. Je l'adore avec conviction. Alléluia. Et voilà aujourd'hui vendredi. Alléluia. Tu as payé toi. Pour mériter sa gloire. Les bontés de l'Éternel. Ils renouvellent chaque matin dans ta vie. La source est de vie vive. La source est de vive. C'est toi, Jésus. Je l'adore avec conviction. Amen. L'eau de vie, alléluia. Jésus. Alléluia. Cette eau pure est tirée du puits de David, alléluia. Jésus. Amen. Je t'adore avec conviction. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Tu es assis à la droite du Père. Alléluia. Tu n'as pas besoin du confinement. Alléluia. Tu es assis à la droite du Père. Alléluia. Tu n'as pas besoin du corona. Alléluia. Pour arrêter de fonctionner. Alléluia. Tu fonctionnes à tout moment. Alléluia. Tu intercèdes en ma faveur. Alléluia. Tu entraînes tous les problèmes de ma Alléluia. Vie. Hosanna, Hosanna, Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Yahweh, afin de l'icône. Aoum, la naïe. Yahweh, un souffle de vie. Yahweh, Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Hosanna, na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. La grâce de Dieu a délivré. Hosanna na Yahweh. 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 Tango mini pe pokwa ya Mamolo mana biso na seo Alleluia. Nakati na biso tondi mayo Ozanzambe ole kinyonso Atana pasi, atana esego Biso toko ye makaka nzembo Ozana la nyo de Dieu assis dans le lieu Ozana, 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 le temps de glorifier le Seigneur. Prends le temps de chanter le roi de rois.
laissant de déclarer des paroles d'amour pour ce mois. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire quelques mots? Est-ce que tu peux toucher sur ton clavier quelques paroles de reconnaissance et d'amour à ce Dieu-là? Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux très hauts, ces chants qui ne cessera jamais. Oh, dans nos cœurs, nous ne cesserons jamais de te louer, de dire ce que tu es, oh, toi qui fais toutes choses en son temps, bonne toujours. Jésus, alléluia, Jésus, oh, 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 oh. Jésus. Jésus, 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 le seul nom qui nous est donné sur la terre, dans les cieux, sous la terre, sous encore, seul est le nom de Jésus qu'on peut adorer, acclamer à tous les temps, à chaque instant, à tout moment. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui domine sur toute la terre. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui existe et qui existera. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui intervient même quand on me rejette. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, le Dieu qui sauve, le Dieu qui garde. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui domine sur toutes les nations. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, le Dieu que j'adore, c'est de lui que je parle ici. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui intervient même dans la tombe. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui intervient même quand je sens mauvais. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, voilà, je garde la foi parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel. Je ne lâcherai jamais, même quand tout ne semble pas marcher. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est parce que il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est parce que il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans le ciel. C'est parce que il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il n'est pas mort, il n'est pas resté là dans la tombe. Il y a un Dieu dans les cieux. Il n'est pas mort pour rester dans la tombe. Il y a un Dieu dans les cieux. Un jour je fais un tour moi aussi dans la tombe. Il y a un Dieu dans les cieux. En regardant, en cherchant les corps de mon Seigneur. Il y a un Dieu dans les cieux. Je n'ai rien trouvé parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu que j'adore, le Dieu que j'acclame est dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors que tu acclames le roi de rois, commence à déclarer des paroles dans ta vie. Dieu là, c'est lui qui te connaît. Ne regarde pas ce que les hommes ont dit sur ta vie. Regarde à ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Il t'appelle son enfant. Il t'a choisi. Il t'a élu parmi plusieurs. Il t'a délivré du péché. C'est celui-là, ton Dieu. C'est celui-là qui t'aime. C'est lui qui dit, ce n'est ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses futures qui vont me séparer de l'amour de Dieu. Ni la profondeur, ni l'auteur, ni aucune autre créature. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien, bien-aimé. Rien. Il dit, mes brebis me connaissent ma voix, ils me suivent. Et personne ne peut le ravir entre mes mains. Et personne ne le ravira entre les mains de mon Père. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Si les mardis, tu avais pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est ce Jésus-là qui te dit ce soir, bien-aimé, que tu es entre ses mains. Personne ne peut te ravir entre ses mains. Mais ni, oh Dieu de gloire, entre les mains de son Père. Rassure-toi, il est avec toi. Rassure-toi. C'est ce Dieu-là. Quel que soit tes problèmes, il y a un Dieu dans le ciel.
dis merci à ce Jésus-là. Oh, mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, nous venons évoquer le nom de Jésus. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon Dieu a dit, mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Encore, mon Dieu a dit, yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas. C'est bon. Toi les paroles de cet homme. Mon Dieu a dit, je ne vais pas mourir, je ne mourrai pas. Je proclamerai la main de Dieu, je témoignerai la main de Dieu. Il a parlé, je ne mourrai pas. Pierre est gentil, nous n'allons pas nous taire. Ce que nous avons entendu est vie. C'est de ça que nous rendons témoignage. Il a parlé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon Dieu a dit, il a dit vraiment. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Voilà, ok. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu que tu vas vivre. Le Dieu de mon cœur est dans les cieux. Voilà pourquoi nous prenons l'engagement de parler de Jésus. Le Dieu de ma vie est dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Comme Pierre et Jean, qui nous mis sur toute la terre. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est que nous avons entendu vivre dans nos livres, dans nos louanges, dans nos chansons. Il y a un Dieu dans les la main de Dieu dans nos vies. Et Dieu qui guérit toutes les malades. Oh, élève ta voix et commence à déclarer. Le Dieu qui nourrit les gens dans le confinement. Il y a un Dieu qui protège. Le Dieu qui prend en charge toutes nos vies. Il y a un Dieu dans les cieux. En réalité, il y a des gens qui ont déclaré des crises, mais mon Dieu n'est jamais en crise. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu a dit, mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon Dieu a dit. Mon Dieu a dit. Je ne mourrai tu pas, ne je pas. Vivrai. Même si tu es malade, je suis le lit de l'hôpital. Il a parlé, même si tu as des corona, je déclare dans ta vie que tu ne mourras pas et déclare-le. Mon Dieu a dit. Approprie-toi les paroles. Je vivrai. Nous sommes là parce que nous avons le mandat. Il a parlé. Je ne mourrai pas, nous sommes venus te dire que nous avons le mandat de Dieu. Invoque le nom de Jésus, que tu seras dans le ciel. Oh, le Dieu que j'invoque, il va te relever, il va te délivrer. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel, n'oublie jamais. Il règne sur toutes les nations. Il y a un Dieu dans le ciel. Mon Dieu est moi, mais dans la vie, mais qu'on sort. Il y a un Dieu dans le ciel. Mon Seigneur qui m'aime vit dans les cieux. Oh yes. Il y a un Dieu même dans les si cieux. Même si à tout moment il est avec moi, mais il est aussi dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il intercède à ma faveur, mon Jésus. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, à ta mille. À ta mille. Oh, Jésus, il est en moi. À ta mille. À ta mille. Yesu longa nangai, Yesu makasi longa, malasi, malasi longa moye, malasi, malasi longa ya moyo, loye moye, loye mo, loye mo longa ya moyo, loye moye, loye mo, loye mo longa ya moyo. Sopini bosonayo kolo yo ya Seigneur Jésus. C'est qu'on a ses cœurs. Il y a de la presse, il y a de génération en génération. Tu es Dieu, tu es le Père. Je mets la vérité, c'est toi, Jésus. Je mets la vérité, c'est toi, Jésus. Celui qui ne nous abandonne plus, celui qui nous a promis une présence à tout moment. Avec toi, nous n'avons pas besoin d'audience, Seigneur Jésus. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Nous marchons avec toi. Tu nous as fait grâce, Père. Tu as fait le choix de vivre en nous, Père. Voilà pourquoi nous te sommes très reconnaissants.
raison pour laquelle nous te sommes très reconnaissants. Bien-aimé, est-ce que... Je ne sais pas si tu comprends la chanson que nous sommes en train de chanter. Nous sommes en train de remercier Dieu. Nous sommes en train de dire que nous reconnaissons que seul lui est Dieu. Des siècles, de génération après génération, il reste Dieu. C'est celui-là que nous sommes venus te présenter ce soir. C'est lui-là dont peut-être mardi tu avais pris la décision de donner ta vie à lui. C'est lui-là qui a promis qu'il ne va jamais t'abandonner. C'est lui-là qui a donné l'assurance à Pierre et Jean. Car nous avons lu dans Actes des Apôtres, il y a trois éléments que nous avons retenus les mardis. Premier élément, c'est qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient en train de poser comme acte. Ils avaient l'assurance et cette assurance a étonné tout le monde. Avec cette assurance, ils ont fait face au défi. Avec cette assurance, ils ont prêché l'évangile. Avec cette assurance, ils ont présenté le nom de Jésus. Et nous avons dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Celui qui invoque le nom de Jésus, la Bible dit quiconque, dans Romains 10, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. C'est ce nom-là que nous venons élever ce soir. C'est ce nom-là que nous venons élever ce soir. Et à la fin, troisième élément, ils ont refusé qu'on les empêche de parler de ce qu'ils ont entendu et vu. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se taire. Ils ont été témoins de la main de Dieu. Ils ont été témoins de miracles de Dieu dans leur vie. Ils ont été témoins d'une guérison dans leur vie. Ils ont été témoins de changement et de la transformation dans leur vie. Ils ne pouvaient pas se taire. Ils ont demandé au Sanhédrin de faire le choix et même de juger s'il faut se taire ou obéir aux hommes ou obéir à Dieu. Alors pendant ces moments, je veux encore que tu te replonges avec mon bien-aimé pendant ces cantiques et que tu puisses dire merci à Jésus de t'avoir sauvé. Merci à Jésus de t'avoir sauvé. Et si jusqu'à aujourd'hui tu as encore des problèmes de doute dans ton cœur, je viens te rassurer qu'il est avec toi. Oh, il a dit dans sa parole que mes brebis connaissent ma voix et me suivent et que personne ne peut les ravir entre mes mains, que personne ne peut les ravir entre les mains de mon Père. Ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni la profondeur, ni l'auteur, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Regardez à quelle dimension Dieu t'aime. Si tu avais des doutes dans ton cœur, oh, demande-lui pardon et dis-lui, Seigneur, je reviens encore à tes pieds. Je viens proclamer que de génération en génération, de siècle après siècle, tu restes le Dieu d'amour. Tu restes celui qui sauve l'humanité. Tu restes la force de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Si les gens que je regarde autour de moi peuvent me décevoir, je vais retourner mon regard là-haut car il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui me connaît, c'est lui qui me délivre. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier avec nous? Je suis le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tu as reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Seigneur Jésus, le message est simple. Seigneur Jésus, oh, tu as reçu le nom. Là où tu entres, il y a la guérison. Là où ton nom est invoqué, il y a la paix. Tu as reçu le nom. Là où tu règnes, il n'y a pas de corona. Tous les prénoms, les surnoms. Là où tu entres, même si le corona était là, les corona quittent. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux invoquer Jésus ce soir? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Yone osu komo yo. Likolo ya bankombo nyonso. Alléluia. Ozu kombo yo. Likolo ya maladi na ngayo yo. Maladi ekokuma makaka ndango bakotanga kango. Kolo bya lokwe ekokuma makaka ndango bakotanga kango. Oh, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Kutuyonde Hosanna
Invoque le nom de Jésus ce soir dans ta situation. Tu auras la solution. Dans le nom de Jésus, il y a l'assurance de guérison. Dans le nom de Jésus, il y a l'assurance de délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a l'assurance d'élévation. Dans le nom de Jésus, il y a l'assurance de la victoire. Invoque le nom de Jésus ce soir. Père, nous prions au Dieu de gloire au nom de Jésus pour toute personne qui participe à ces programmes. Malade, s'il est libre, corona, sinusite, je ne sais pas moi qui, n'importe quelle maladie. Je sais que ton nom, Seigneur, est élevé au-dessus de tous les noms. Au devant de ton nom, tout genou fléchit. C'est lui qui nous suit ce soir. Que la guérison soit son partage au nom de Jésus. Que la guérison soit son partage au nom de Jésus. Malade, il n'arrivait plus à se tenir debout. Au nom de Jésus, que tu lui donnes la force de se relever. Nous te bénissons pour les médecins qui ont pris soin d'eux. Mais la guérison vient de toi, Seigneur Jésus. Dans ta famille, tu es en train de nous suivre. Invoque le nom de Jésus ce soir. Il a reçu le nom. Invoque le nom de Jésus ce soir. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il y a des alliés en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Celui qui invoque le nom de Jésus est sauvé. Les saluts se trouvent dans l'invocation du nom de Jésus. C'est l'invocation qui attire la manifestation. C'est l'invocation qui attire la manifestation. Les gens ont invoqué le nom de leur oncle. Nous, nous avons le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Donne le nom de Jésus. Toi, le vaillant héros, quand tu te lèves, les saints s'élèvent avec toi. L'assurance que nous avons, Père, c'est que nous avons le plus fort, le plus puissant, le plus grand, le créateur des cieux et de la terre, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui ne choue jamais, Jésus-Christ. L'homme est l'homme d'Abisou. Yes. Quand tu descends, Jésus, Goliath tombe. Quand tu viens, la mer se sépare à deux. Tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin-là qui conduit vers le paradis, vers l'éternité. C'est ce chemin-là que Moïse a trouvé. Dans le chemin-là, Moïse a atteint la terre. Yoso na yoma ete le makate. Otambo la kalikolo na mai papa. Lombe na biso ezayo. Oh, quand tu parles, même la nature obéit. Quand tu parles, les malades sont guéris. Quand tu parles, la maladie quitte. Et l'ombre d'abissé Zayo, papa. L'ombre d'abissé Zayo, papa. Bien-aimés, nous
sommes dans notre programme, je rappelle encore, du mois de juillet, du mois d'août. Celui de répondre au mandat suprême, malgré ces moments de crise. Manque d'assurance fait que beaucoup de gens n'ont pas le courage. Beaucoup de gens ne voient que les défis au lieu de voir les opportunités pendant ces moments de défis. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier. Tu vas commencer à prier pour toi. Prier pour la communauté chrétienne Souffle de Vie et prier pour les chrétiens du monde entier. Les disciples marchaient avec Jésus. Ils ont passé 3 ans avec lui. Chaque jour, ils étaient avec lui. Mais pour aller à la mission, le Seigneur leur a dit dans Actes 1:8 qu'ils puissent attendre la venue du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux avoir l'art oratoire, tu peux avoir le courage, tu peux avoir les moyens réunis, mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, c'est difficile que les gens viennent à Jésus-Christ. Alors nous voulons prier que le Saint-Esprit vienne nous donner la force, que le Saint-Esprit vienne nous revêtir, que nous puissions parler par la puissance du Saint-Esprit, que notre parole ne soit pas assise sur des discours persuasifs comme Paul les demandait, mais que la parole soit assise dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Même quand il faudra que tu le fasses sur les réseaux sociaux, mais un petit message que tu peux publier, que le Saint-Esprit convainc le cœur. Car on m'a appris ceci, le succès dans les témoignages consiste simplement à prendre l'initiative, seulement prendre l'initiative de parler de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Et les résultats, cela vient de Dieu. Ce n'est pas, les résultats ne te concernent pas. Toi, tu n'as qu'à prendre l'initiative dans la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier que le Saint-Esprit te donne des initiatives pendant ces situations. Comme j'ai vu les autres écrire des pancartes, aller là où il y a des embouteillages et afficher. Peut-être que le Saint-Esprit va t'inspirer quelque chose. Une vidéo, pourquoi pas une petite séquence de comédie, mais qui est évangélique, à partir de laquelle toi tu vas évangéliser, gagner des âmes pour Jésus-Christ. Pourquoi pas un message à publier? Pourquoi pas une image que tu vas publier et elle va attirer des gens à qui tu vas trouver l'opportunité pour parler de Jésus-Christ? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Élève ta voix et commence à désirer la puissance et la pleinité du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Les années à côté du Maître n'étaient pas suffisantes. Tu nous as recommandé d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et dans Actes des Apôtres, nous avons vu la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Malgré les défis, alors que les disciples fuyaient, alors qu'on les cherchait pour les tuer, oh, c'était l'évangile qui traversait les frontières. Car dans Matthieu 28, tu avais dit, allez faire de toutes les nations des disciples. La situation de cette crise-là, c'était l'accomplissement de la parole. Et Seigneur, cette parole reste la même, hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible n'a pas changé. Ainsi, nous croyons, Père éternel, que cette situation contribue au jeu de gloire à l'évangile qui doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit à tes disciples, commencez à Jérusalem, Samarie, et puis tu as demandé à ce qu'ils puissent aller de Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Père, nous croyons que cette parole reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, cette situation, c'est une opportunité pour nous. Donne-nous la force, renouvelle notre intelligence, donne-nous les moyens afin que nous puissions apporter l'évangile, Père éternel. Que nous ne puissions pas nous croiser les bras, que nous ne puissions pas nous refroidir, mais que nous puissions saisir les opportunités. Car nous en sommes témoins, même dans mon pays, dans ma vie, il y a des gens qui profitent, je les vis de mes propres yeux. Ainsi je ne peux pas me taire, car moi aussi je suis témoin de ce que je vis et entendu, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Mandeche Abrabosa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dans ton église, Souffle de Vie. Dans la communauté, au corps du Christ, partout dans le monde, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta volonté prime, ô Dieu de gloire. Détourne nos regards, ô Dieu de gloire, à des infos qui circulent par-ci et là. Tourne nos regards vers ta pensée et ta parole. Donne-nous, ô Dieu de gloire, à avoir les discernements dans ce dont tu attends de nous, Père, pendant cette situation, pendant ces moments. Et
éloigne loin de nous les doutes. Prie pour ton cœur bien-aimé. Chasse les doutes. Chasse les doutes. Refuse les doutes. Manque de confiance, refuse-les, bien-aimés. Demande le courage que communique le Saint-Esprit. Même la joie que communique le Saint-Esprit. Car cette joie nous pousse même à parler de ce Jésus. Cette joie nous pousse à parler de Jésus-Christ. L'amour pour les âmes perdues. Remplis ton cœur de la compassion. Le secret de la puissance, de l'amour, de la compassion pour les âmes. Pour évangéliser, c'est la compassion. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui compte. Remplis notre cœur. Oh mon maître, la Bible me dit que tu marchais de village en village pour annoncer l'évangile. Il n'y avait pas de méga, il n'y avait pas de réseaux sociaux où on peut publier en une seconde. Nous avons 3000 vies. Non, il n'y en avait pas. Tu marchais. Pourquoi pas me donner la force, Saint-Esprit, à saisir cette opportunité et faire plus. Et d'ailleurs, tu attends de nous faire de grandes choses. Car tu as dit que celui qui croit en toi fera de grandes choses, Père éternel. Chasse le doute, Seigneur. La peur. Donne-nous l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Dieu de gloire, ces éléments qui fait que nous ne soyons pas, nous doutons de notre identité. Donne-nous à les faire car ça fait partie de notre vie. Si je n'évangélise pas, je ne suis pas ce que je suis. Cela fait partie de ma nature. Je dois le faire car je suis. Je suis appelé ton enfant. Je suis chrétien. C'est une recommandation. C'est un ordre suprême, Père éternel. Combien de fois j'ai obéi aux hommes? Pourquoi pas obéir à ceci? Saint-Esprit, donne-moi la force et donne-moi le pouvoir. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu de te donner les occasions d'évangéliser. Demande à Dieu de disponibiliser le cœur. Quand tu vas parler et que l'esprit soit touché et que les gens se convertissent. Demande à Dieu de te préparer la terre. Que les paroles qui sortiront de ta bouche sortent aussi de terre fertile. Demande à Dieu de mettre sur ton chemin des personnes qu'il a prévues pour le salut. Bien-aimé, prie. Oh, tu as des amis que tu connais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Intercède pour eux. Tu as un oncle. Demande à Dieu. Peut-être que tu ne sais comment procéder pour l'évangéliser. Prie d'abord pour lui, bien-aimé. Amène-le dans la présence de Dieu. Intercède pour lui ce soir. Oh, Dieu peut utiliser quelqu'un. Dieu peut utiliser des événements. Dieu peut utiliser des circonstances afin que quelqu'un dans ta famille soit converti. Que ton ami soit converti. Que ton camarade du quartier soit converti. Intercède pour une personne bien-aimée. Intercède pour une personne bien-aimée. Papa Simba Mitema. Mitema Baoba Ebiote, papa. Quelqu'un traverse des moments compliqués, Seigneur. Il cherche les secours par-ci, par-là. Qu'il puisse comprendre que les secours, le vrai secours ne vient que de toi, Seigneur Jésus. Que le vrai secours ne vient que de toi, Seigneur Jésus. Que le vrai secours ne vient que de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Levez du cœur de notre Seigneur que tout le monde arrive à la connaissance et la vérité. Pas qu'un seul ne se, qu'une seule personne ne se perd. Oh, il est celui-là qui a dit qu'il peut laisser autant de ses brebis pour aller chercher un seul qui est perdu. Notre Seigneur n'aime pas perdre. Il n'est pas dans la joie quand quelqu'un dans ta famille se perd. Il n'est pas dans la joie quand quelqu'un meurt dans le péché. Non. Non. Il a quitté les cieux. Il a laissé son royaume, tous les privilèges qu'il avait pour venir sauver l'humanité. Il est venu pour toi, bien-aimé. Alors si tu vois quelqu'un à côté de toi qui est dans la perdition, ne t'en réjouis pas.
C'est un sujet d'intercession. Et c'est un travail, c'est une mission que Dieu te donne. Est-ce qu'on peut prier pour des âmes perdues de partout dans le monde? Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu que ces personnes le rencontrent? Nous ne savons pas comment ça va se faire, mais dans la foi et avec assurance, est-ce que tu peux élever ta voix et désirer que les hommes soient sauvés, les pays musulmans soient sauvés, les personnes qui sont dans des fétichismes soient sauvées, dans l'occultisme soient sauvées, qu'au travers de ces programmes pendant ces 2 mois, que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier que quelqu'un entende la voix du Seigneur et l'ouvre son cœur et il donne sa vie à Jésus-Christ? Ces gens-là n'ont pas seulement besoin de ton pitié, non. Tu l'as vu, tu as eu pitié de la personne, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils ont besoin que tu le portes dans la présence du Seigneur. Chacun de nous a une infirmité. Tu n'as pas besoin de te manquer dans l'infirmité de l'autre, mais tu as besoin plutôt de les porter dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Oh, j'ai suivi à l'information dans un pays musulman qui déclarait que tout enfant qui est né dans leur pays est par nature musulman, Père. Alors que c'est toi qui as créé ces hommes. Ils ne portent pas en eux la nature que les hommes leur donnent comme la définition. Ils portent en eux ta nature, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, à sa manière, lui qui convainc, Saint-Esprit, toi qui parles plus que nos paroles, Saint-Esprit, toi qui touches le cœur, Saint-Esprit, toi qui transformes les vies, Saint-Esprit, que tu touches toutes ces personnes. En ce moment où nous sommes en train d'intercéder, quelqu'un, ô Dieu de gloire, qui est parti trouver comme secours l'alcool, qui est parti trouver comme secours la sexualité, qui est parti trouver comme secours les drogues, Père, Père, qu'il puisse te trouver et te rencontrer sur son chemin. Quand tout celui qui te rencontre sur son chemin, quelque chose se passe dans sa vie. Nous n'avons jamais une personne passer par la croix et rester les mêmes. Non, Seigneur. Tout celui qui passe par la croix, quelque chose se passe dans sa vie. Qu'il te trouve sur leur chemin, Père éternel. S'il est un assassin, il va assassiner, Père éternel. Akutana nao lokola sol, akutana kinayo. Nous sommes en train de prier, ô Dieu de gloire, qu'en ce moment, dans ce monde perdu, dans le noir, que tu nous suscites des évangélistes pour demain. Que dans cette église, que tu nous suscites des missionnaires pour demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu puisses prier pour cette église, cette communauté souffle de vie. Notre champ de bataille, notre fondement, notre socle, c'est la mission. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans tout le programme annuel de notre église, c'est un des programmes qui nous prend 2 mois. Parce que nous sommes conscients que si nous sommes là, c'est pour la mission. Cette église est une église missionnaire, bien-aimé. Je veux que tu pries que Dieu, non pas seulement suscite des missionnaires dans cette église, mais que Dieu nous donne le moyen qu'il faut afin que la mission soit accomplie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour cette église? Prier pour celui-là en qui Dieu a donné la vision, celui-là que Dieu a établi, celui qui porte le fardeau. Que ce fardeau ne soit pas seulement pour le pasteur, mais que ce fardeau soit le fardeau de l'église. Merci de nous avoir mis en ces lieux. Notre priorité, c'est l'évangile, Père éternel. Nous ne voulons pas que cela soit seulement un discours ou un programme annuel, mais que cela devienne notre mode de vie, Père éternel. Et pour cela, envoie-nous des messages qu'il faut. Pour cela, envoie-nous des hommes qu'il faut. Pour cela, que le Saint-Esprit suscite au sein de cette église des missionnaires de partout le monde, car la mission, ce n'est pas seulement Kinshasa. Ça, c'est notre Jérusalem. Mais ta parole nous recommande d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne voulons pas, ô Dieu de gloire, être une église seulement de plus, mais une église qui a un plus à porter dans le corps du Christ. Nous voulons, ô Dieu de gloire, apporter une pierre
dans cet édifice, Père éternel. Bénis cette église, ô Dieu de gloire. Bénis tous les serviteurs de cette église. Bénis ce programme de 2 mois. Bénis, ô Dieu de gloire, ô Père éternel, les finances de cette église. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ta mission, Père éternel. Bénis, ô Dieu de gloire, ô Père éternel, tous les ouvriers, tous de loin ou de près, Père éternel, toute personne qui contribue pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions de le bénir, Père éternel, afin que dans leur gibecière, qu'il ne manque rien et qu'il continue à financer ton œuvre. Car dans ce pays, dans ce monde, il y a des gens à qui tu as donné ces fardeaux de cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous prions, ô Dieu de gloire, toute personne qui a mis une petite semence, ô Dieu de gloire, pour contribuer à cette œuvre, que tu puisses les multiplier au nom de Jésus, au nom de Dieu, qu'ils témoignent pour avoir investi dans la mission, pour avoir investi là où le cœur de Dieu se trouve. Il a été béni. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce programme. Tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu pour ce programme. Il touche à sa fin. Dis merci à Dieu car tu as invoqué son nom. Tu as prié pour quelqu'un qui est malade. Tu as prié pour quelqu'un qui est dans la perdition. Il écoute les prières et il a exaucé ta prière. Tout ce que tu as demandé, la Bible dit, tout ce que nous demandons, qui est selon sa volonté, que nous puissions croire que nous l'avons déjà réussi. Alors tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu pour ces programmes, pour tout ce que tu as déclaré en ces lieux. Dis merci à Dieu pour ces programmes. Dis merci à Dieu pour cette semaine qui touche à sa fin. Et bénis notre culte en ligne de ce dimanche. Élève ta voix et prie. Prie le Seigneur. Merci Seigneur pour ces rendez-vous. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci Seigneur car tu as été au rendez-vous. Merci pour mon frère et ma soeur qui a été connecté en ces moments. Merci pour mon frère et ma soeur qui a partagé, ô Dieu de gloire, ce moment d'intercession avec nous et avec les autres. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ce programme de 2 mois. Merci pour ta parole qui transcende nos frontières et touche le cœur et guérit à force de guérison. Merci pour toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ dans ce programme. Et merci car le mois reste encore et pour le reste des programmes d'enseignement, nos cultes dimanche, Père éternel. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Car tu nous as écoutés, Seigneur, et tu as exaucé nos prières. Oh Dieu, nous laissons tout le reste des programmes entre tes mains, notre programme de quitter dimanche entre tes mains. Sois avec nous, Père éternel. Et donne-nous les moyens pour répondre présent dans d'autres rendez-vous. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu veux faire monter les j'aime. Des cœurs, matza cœur, ne papa le bar, matza ba cœur est mêlé. Beaucoup d'amour pour l'œuvre de Dieu, beaucoup d'amour pour ces programmes de kilt en ligne. Et partage, invite les gens à participer dans nos programmes de kilt. Il y a quelqu'un que tu connais, il a besoin de Jésus-Christ, tu n'as pas eu l'opportunité de parler avec lui. Le fait peut-être de l'inviter dans ces programmes peut lui donner l'occasion de changer sa vie. Et peut-être un jour, tu auras simplement un témoignage de loin comme de près. Donc ne cesse pas de partager et d'inviter les autres à participer dans nos programmes. Nous sommes à la fin. Nous rappelons déjà que ce dimanche, nous sommes là à partir de 9h30, voilà, à 10h30, voilà. Donc prépare les mégas, prépare-toi à être là et participer à notre kilt. Il y a des bons enseignements que papa nous donne et aussi il y a des opportunités pour que nous puissions apprendre comment aller parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Donc, sois là, participe dans ces programmes et n'oublions pas, nous envoyons toujours nos finances par M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, par MoneyGram. Tu peux être en dehors du pays, le Saint-Esprit te met à cœur de soutenir cette œuvre, de contribuer afin que les âmes soient sauvées, de contribuer afin que la parole soit accomplie, que les messages puissent atteindre l'extrémité de la terre. Dieu ne t'oubliera pas. Il bénit toujours, il honore ce qu'il honore. Alors tu peux envoyer ton argent. Et les noms, on envoie l'argent, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a pas deux noms. C'est notre sœur, la sœur Yudi Yokadi Pang. Voilà. La sœur Yudi Yokadi Pang.
Donc la sœur Yudi Oka Dipango, c'est seulement en ce nom-là que tu peux envoyer l'argent et je vous assure, l'argent va arriver. Que Dieu vous bénisse et excellente soirée. Merci. Sa louange, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je